No, yo no, yo no. ¿Te gusta? No, 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 no. On fait quoi? On discute et après on va sur le terrain, c'est ça? Moment où on met un numéro de téléphone, une distance et un,
une accroche et une promotion, c'est de la publicité. Mais nous, c'est pas ça hein, du tout. Non, mais elle répète, laisse finir, nous donne le cadre. Voilà, alors par exemple, dans ce cadre-là, le panneau de la CNR, il n'est pas conforme, hein. C'est de la publicité, clairement. Enfin, là, bon, après, la question, c'est que cette réglementation, elle est nationale. Elle est plus ou moins appliquée parce que l'État a plus ou moins les moyens de l'appliquer. C'est vrai que dans un territoire comme un PNR, ben, il y a moi qui suis là pour faire l'information, donc à l'avance, expliquer la réglementation. Et puis derrière aussi, aider les territoires à avoir un cadre de vie le plus valorisant possible. Pour ses habitants, pour ses commerces, pour le tourisme, pour. Enfin voilà, en considérant que le fait que ça soit la réglementation soit acceptée, ça contribue à l'image de qualité du territoire. Et parallèlement, j'aide les collectivités à mettre en place une signalétique d'information locale. Donc ça, c'est vraiment. Ça dépend des communes ou des communautés de communes. Parce qu'on est dans une. Enfin, selon la géographie, ça peut être intéressant d'avoir une réflexion. Des banquiers, des patrimoines, des activités de famille aussi à côté, des artisans, qui ne sont pas forcément en centre-ville, sur l'axe principal, donc visibles. Donc, normalement, cette signalétique s'adresse principalement à ce qui n'est pas visible, parce qu'il ne s'agit pas de faire proliférer des inscriptions qui, en fait, le jour quand on a trop s'annule. À savoir que ces inscriptions-là sont principalement pour les gens qui connaissent pas le territoire et qui ont besoin de repères. Si eux ne connaissent pas le territoire, pour eux c'est déjà très nouveau, tout. Et si on rajoute beaucoup d'informations, en fait, souvent il y a des informations plus la forme. Et puis tout est déjà nouveau. Oui, c'est pas comme nous qui avons déjà des habitudes, etc., et des connaissances de choses. Donc quand j'accompagne les collectivités, souvent je fais un peu le point de vue de ces histoires-là qui ne connaissent pas du tout. Donc du coup, par exemple, pour formuler les appellations, pour indiquer les choses, pour aller partir de ce qui nous semble ici, le nom est gel, compréhensible par tous. Voilà. Et donc cette signalétique-là, elle est comme une signalétique routière, donc avec des normes de routière de sécurité. Donc, qui conditionne le choix des matériaux, qui sont des matériaux modélés, certifiés, tout ça, MS, qui ont des résistances au choc, aux impacts, qui permettent de faire le mode de rendre des implantations, aussi des distances par rapport à la santé, la distance de l'école, et en plus, derrière, une idée que pour que ça soit efficace, il faut qu'il y ait un code, un peu comme feu rouge, feu vert. Là, il y a un code couleur, donc en fonction des activités qu'on veut signaler, il y a des couleurs qui indiquent ces catégories d'activités. Et à force, c'est comme les panneaux verts pour les nationales, bleus pour les autonomes, ça crée, quand, sur tout le département, quelque chose d'homogène qui, du coup, fonctionne. Donc voilà, ça, c'est ce but. Après, il y a l'affichage dont vous parliez plutôt à caractère général. C'est les espaces de libre expression, donc aussi pour les associations, pour les événements. Ça, c'est normalement des panneaux, donc il faut une surface, est obligatoire dans chaque commune pour avoir cet affichage-là. Et pour 2000 habitants, et après on rajoute. Donc là, ce qui est important, c'est c'est pas seulement la surface, c'est surtout qui actualise l'information, parce que ces espaces, souvent, ils peuvent. On ne sait pas qui les gère, en fait, et où ils sont. C'est-à-dire que c'est pas genre l'espace, il n'y a pas de surface par mètre carré à veiller à souvent l'activité communale. Mais par contre, c'est comment on fait vivre ces espaces d'expression. Donc comment on les place, voilà.
Et puis après, il y a plein de manières hein, de faire circuler l'information. Vous savez, ça dépend aussi de quand on veut toucher. Et après, il y a les relais d'information locaux, donc qui sont plus, là, ça relève du département. C'est vraiment les grands panneaux où il y a une carte de la commune et après l'ensemble des équipements et des services, des activités, des hébergements de du territoire. Là, il faut direct préciser qu'il y a un espace de stationnement à côté, donc ça soit en dehors de la voie de passage, qu'on puisse arrêter facilement, voilà, et qu'on puisse, voilà, donc tout est compté sur le même sujet. Donc ça, c'est tout ces contraintes-là. Alors, et après, chaque moyen est plus ou moins efficace sur certains buts. Voilà. Et par exemple, le relais d'information service, moi personnellement, il est juste. Ça permet d'avoir une carte, puisque éventuellement, si on est complètement perdu, on retrouve des repères. Mais après, en termes d'information sur les activités, ça, c'est tellement. Pareil, c'est souvent pas actualisé, donc ça peut être des informations obsolètes, et puis c'est rare qu'on s'arrête comme ça, et puis qu'on appelle c'est pas la chambre d'eau, le restaurant, devant le panneau, quoi, enfin, j'ai rarement vu ça. Il y a les nouvelles technologies, il y a quand même des chambres aussi, Donc c'est vrai que de plus en plus, même si on aime improviser, qu'on ne prépare pas son trajet à l'avance, ce n'est pas forcément les signaux qu'on trouve de sa place, mais les guides. Moi j'en ai pas alors, c'est pour ça. Après, c'est possible que si le mot du jeu est important. Donc, il y a une possibilité d'avoir un mot du jeu urbain qui porte de l'information temporaire. Donc, au Riflam, ou envoyé à Saint-Giron. Bon, ils ne sont pas du tout exemplaires hein, parce que c'est difficile de cadrer. On peut voir donc ces espèces de bannières par un moment qui indique qu'il y a un événement. Donc ça c'est au moins la commune, on le remarque parce que la commune le gère. Après il y a tout ce qu'elle gère pas. L'immobilier, en fait, on avait installé sur la place, on avait fait des associations. Et moi, je trouve que le mobilier urbain, alors faut réfléchir, pareil, il ne peut pas supporter de publicité, donc il faut vraiment arriver à sortir de cette catégorie-là, et c'est pas évident. Mais ça peut être intéressant quand même de voir comment éventuellement avoir un mobilier, alors que ça, faut trouver une justifie, qui puisse faire banque, qui puisse faire sur le statut unique, et éventuellement, si ça se fait dans le niveau du marché, quelque chose qui marque la place du marché. Ou alors, on a aussi de l'information locale, parce que même si c'est que le mercredi matin, après, une fois qu'on est à la place du marché et qu'on passe, on peut passer, on dirait que c'est le marché ou c'est pas le marché. Hein, et de toute manière, c'est qu'on est déjà là. Pas d'accord parce que, excusez-moi, mais nous avons de nombreux camping-caristes qui passent chaque année et il n'y a rien qui indique qu'à une époque il y avait des banderoles et on les retrouvait là. Mais maintenant avec le PNR, on n'a plus le droit aux banderoles. Non, c'est ce qu'on entend dire. Moi, je suis désolé, j'ai jamais accusé de PNR, mais vous êtes tout de suite, tout de suite mis en cause. Voilà. Donc, ce qu'il y a, c'est que ces personnes. Moi je me permets l'été d'aller afficher au terrain de rugby puisqu'il y a l'air de service et je mets qu'il y a le marché le mercredi. Mm-hmm. Mais les gens qui passent, ils se disent tiens, on est mercredi, on peut s'arrêter. Voilà. Bon. C'est ça qu'on demande depuis X années, mais tout avec l'arrivée du territoire, tout a été chamboulé du coup. Au niveau du territoire PNR, tout a été échangé. Ah non, mais je vous dis, nous on a gardé quand même une banderole pendant des années. Hein. Ouais, puis après, on... Ah oui, pour le parler de PNR, il n'est pas tout formé.
Oui. Je suis à la mairie, ouais. Moi, je ne cherche pas la guerre. Hein. Après, la question, c'est que. Voilà, oui. Il y a des réglementations et l'idée globale, c'est que si on commence à. Oui, oui, c'est ça, on ne le fera pas et on ne le fera pas. Oui. Non, pas d'obligation pour l'instant. Mais c'est pas qui le fait. Oui, ils veulent juste le pas d'avoir. Non, mais déjà, on le connaissait, il est possible de faire. Oh, ben écoute, elle le prendra sur le site alors. Ce qui est possible de faire. Et après, de manière temporaire, il peut y avoir quelque chose qui s'installe avant le marché pour indiquer qu'il y a le marché ce jour-là. Quoi, hein. D'accord. Je te laisse, je suis en réunion avec monsieur le maire. A tout à l'heure. Je suis en réunion avec monsieur le maire. A tout à l'heure. Oui, oui, tout a été envoyé. Voilà, il y a des choses qui sont terrestres, des vrais terrestres. Bon, tu peux tout entendre. C'est-à-dire que ça fait le marché, une transformation un peu plus générale, c'est ce que ça a dit sur cet effet-là, le côté. Non, mais sûrement pas. Ça veut dire que. Mais après, sinon, il y a. Bonjour. Bonjour. Monsieur Mathieu, pardon. Bonjour. Merci, Lucas. C'est un peu. Je ne sais pas, il y a des idées à passer pour mettre. Attends, il débarque, il est pour moi. Je vais vous nommer la terre et je vais vous faire. Pour moi, ça va, la terre est morte. Je vais vous nommer la terre. Après, pour le temps de travailler, je vois. Mais pas besoin de moto, il faut qu'il enlève la veste. Le moto, il n'enlèvera rien du tout. Je m'en mets la terre. Je m'en mets la terre. Je m'en mets la terre. Donc voilà, il y a ou la possibilité de la signalétique permanente qui indique place du marché, sachant qu'on ne pourra pas mettre mercredi matin. Voilà. Ah bon oui. Pourquoi c'est parce que c'est toutes ces informations qui sont la distance, l'éloignement par exemple à 20 minutes ou pas loin, deuxième à droite, l'éclair. 2 minutes, ouais, et on repart 5 minutes, et on y est toujours. Donc, ça, c'est vrai, c'est dans les instructions, ça, je peux vous l'envoyer, quand vous l'avez envoyé. Ouais, ouais, voilà, ouais, du coup, on voit bien clairement. Ça, pas exactement celui-là, d'ailleurs. Ah, ouais. J'ai écrit un petit peu, mais ça allait être de la parce que je le vois à Cadère, par exemple, il y a les loups. Ah oui, oui, c'est ce panneau, il doit y avoir les loups. Après. Ils sont pas. Ils sont pas dans le PNR. Ils sont pas dans le PNR. Après, c'est pas une question de or et dans le PNR. Là, je suis désolée. Oui, oui, non, mais voilà. Donc, on tombe dans la réglementation générale. Voilà, ce panneau, j'en fiche les mairies, voilà. Mais. Ces panneaux-là, je ne sais pas à quelles conditions, moi personnellement, on peut les implanter parce que marché franc, j'imagine, c'est un label, non ? Oui, oui, mais il faut que ce soit reconnu par les municipalités. Si on l'a fait la demande. Mais on a fait la demande. Ah bah, moi, marché de France, c'est différent. Il faut le label. Ouais, oui, mais il faut que ce soit un marché municipal. Tu ne peux pas faire ça en tant qu'association. Ils t'enverront, ils t'enverront jamais le panneau. C'est deux choses différentes. C'est un marché municipal. Voilà, c'est ça. Voilà. Le marché est reconnu par la municipalité, c'est-à-dire qu'on soutient le marché, mais. Non, oui, ça c'est ce que vous faites actuellement. Voilà. Marché municipal, c'est-à-dire que tu as un placier qui vient et tout ça. Ça, c'est un marché. Mais voilà, nous, ça fait cette cycle. Après, je ne sais pas vraiment peut-être que ça peut être pratique avec ce marché. Oui, mais il y a vraiment un marché. Mais c'est quand même très bon. Après, il faudra l'autorisation. Ils ont les municipaux qui font la relève des placiers, quoi. Ouais, ouais. Et ensuite, bon, ça va être la régulier par la région, par les États, ceux qui sont. Est-ce qu'il ne met pas marqué mercredi matin, c'est un peu. Ça s'arrête.
Ça sert à rien. Oui, vous allez être marché, oui, d'accord, ok. Bon, non, déjà, il va s'arrêter pour voir le panneau général, pour voir si c'est terminé ou pas pour le train. Bon, on peut mettre. Après, sur le panneau général, il peut mettre marché le mercredi matin. Hein. Après, la question de l'information générale, c'est que quand on commence à en mettre une, il faut vraiment que ça soit à caractère général. Et donc, ça concerne tout le monde, c'est pas une discrimination. On est vraiment dans le domaine public. Ouais. Et donc, il faut une espèce d'équité, le principe, c'est l'équité. Donc, si on met une information, et ben, tout le monde, il faut qu'il en ait droit à une. Donc, il faut qu'on aille solliciter tous ceux qui ont réussi à être informés. Donc, il faut que ça soit exhaustif. Donc, voilà, c'est ça. Et on se retrouve dans cette gestion-là du domaine public où il y a cette règle d'égalité, quoi. Et du coup, c'est difficile de faire repartir. Ouais, surtout que c'est associatif, c'est pas. Voilà. C'est pas la mairie. Ben voilà, donc un panneau pour toutes les associations, avec des différents programmes. Ah ben, wow. On parle des malades, Un panneau où toutes les associations affichent ce qu'elles veulent. Mais ça, t'as été ça. Oui. On en avait un avec la clé, tu te rappelles? Le général existe à la clé, du moins un peu de travers. C'est bien d'ailleurs les mêmes personnes, on peut s'arrêter. Non. Après place du marché, il n'y a pas écrit mercredi matin, mais si on cherche quelque chose, parce qu'on se dit, oh, bah, c'est très sympa qu'il y a un marché, c'est un petit détour. Au pire, on indique sur cette place-là, il y a d'autres choses. Donc on sert aussi d'autres lumières. Oui, le relais, ouais. Le relais, et puis, s'il y a le marché, bah, ça a quand même. Il y a le marché. Et donc, moi, je ne trouve pas que ça ne sert à rien. Mais voilà. Non, je n'ai pas dit que ça ne servait à rien. Simplement, à première vue, comme ça, hein. C'est bien, le marché, mais s'il n'y a pas marqué quand, ouais. Et comment ça se passe ailleurs? Comment mettons-moi le deal? C'est le marché aussi. Il n'est pas pénéant, moi, je dis. C'est pénéant, moi? Parce qu'il ne faut pas envoyer les gens comme ça tout droit, puis après les laisser se perdre.
l'idée de cette signalétique, c'est qu'à partir du moment où on indique quelque chose, on l'amène de sa tête. Donc pareil, le marché, il sera indiqué à l'entrée, par exemple, mais juste après dans le village, il y aura une indication qui continuera à guider jusqu'au marché. Dans tous les... Après, ça serait ça qui sera aussi bien. De revoir. Après, c'est pas long. Mais ça veut dire que c'est qu'à un endroit. Éventuellement. Mais au moins dans le verre 3. Oui. Et autres, par exemple. Oui, voilà. C'est, après, c'est le, cette de répétition de l'identité. Alors que, bon, en fait, la signalétique des fois, si on prend l'exemple du Kandinka. Le Kandinka est signalé à l'entrée. À la sortie, on a la direction du Kandinka où il faut aller. Et aujourd'hui, la relation qu'on a avec les gens qui font des campingars chaque année, on remplit les fiches de présent, rien d'arrivée, c'est rien de modifié, c'est l'entrée que vous ramène. Donc en fait, je ne sais pas, les gars qui font des campingars sont tous informés. Voilà. Bon, ça attire l'œil de voir autant tout ça, mais en principe, bon, ce sont des gens quand même qui ont eux, à contrario de certaines, ont l'habitude de se déplacer, de chercher où ils peuvent ou revenir là où ils ont été bien. Quoi, hein. Et c'est là où peut-être je me dis, peut-être, c'est pas transgresser, mais dire voilà, il faut au moins signaler à chaque intersection, peut-être il faut. Peut-être aller sauter une, voilà, peut-être ne pas. Après, la règle qu'on se donne, c'est pas de mettre le moins de panneaux. Et quand c'est tout droit, en général, on n'indique pas. Quand c'est visible, on n'indique pas. Quand c'est tout droit, on n'indique. Mais dès qu'il y a eu une intersection, voilà, c'est un choix entre gauche et droite, là, on l'indique. D'accord. Ici, il n'y a pas de problème, la route. Non, mais après, c'est. Quand il y a nouveau croisement, là, tu veux. Les gens vont pouvoir voir sur la place si c'est vrai que le camping-car se là. Et donc, ça, c'est bien aussi parce que, en fait, bon, là, c'est toujours ici, on sait surtout que les activités sont éloignées. Mais dans les plus gros agglomérations, par exemple, à Saint-Girons, parce qu'on a travaillé sur ça à Saint-Girons. Ce qu'on a aussi été réfléchir, c'est à des. On invite à partir tout le temps. On invite des itinéraires privilégiés pour canaliser. Alors, les gens qui connaissent les raccourcis, machin, ils veulent toujours les prendre, ça n'est pas interdit. Oui, oui, oui. Mais ceux qui ne connaissent pas, par contre, on les guide plutôt vers les endroits où ils peuvent stationner, par exemple. Donc, c'est toute une réflexion derrière où, en fait, on commence à réfléchir à d'autres choses que simplement le panneau. Donc, c'est aussi. Voilà, c'est intéressant parce que c'est aussi comment on appelle un lieu. Par exemple, il voulait indiquer tout commerce à tous les entrées. Et simplement tout commerce, en fait, c'est assez. C'est pas très original. C'est-à-dire qu'on arrive dans un endroit et en se trouvant simplement qu'il y a écrit tout commerce. Alors, ce qu'ils disent, moi, je peux dire, par exemple, on invite les berges du salade, le fait qu'on puisse marcher le long des berges. Bon, c'est un peu une anticipation aussi sur ce qu'ils sont en train d'aménager. Là, tout d'un coup, on se interpelle. Ah, tiens, le ruisseau, ça s'appelle le salade. Ah, tiens, on pourrait se prendre. C'est-à-dire qu'il y a une manière de donner l'image et de aussi de se distinguer un peu, quoi. De donner aussi une idée, par exemple, on pourrait aller, je pense, jusqu'à marché du mercredi. Alors marché de producteurs, si on a autre chose, du marché, je sais pas, du bord de l'eau, enfin, quelque chose qui permet à un moment donné aussi de parler de ce marché-là en particulier. Après, c'est trouver le juste milieu entre le fait qu'on se comprend soi-même et des gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas pu se comprendre. Et en même temps, quelque chose qui peut donner quand même une idée, c'est un peu différent qu'ailleurs. Enfin, voilà. Donc dans le renseignement, on appuie sur les choses qui sont précisément là et pas ailleurs. Donc si je comprends bien, il faut abandonner l'idée d'un panneau spécifique pour le marché et d'un trait de bois. Voilà, c'est plutôt rentrer dans cette histoire-là. Et qui pourra être l'entrée, ça pourrait être donc dans la route. Voilà. Et après, ça faudra jalonner dans la commune, dans l'agglomération. Et après, sinon, éventuellement de l'affichage temporaire.
d'affichage à ce moment-là. Ça peut être un. Parce que là, moi je reviens sur l'idée que l'information sur l'espace public, elle doit être équitable pour tous. Yeah.
peut-être un complément de ce que vous voulez. Oui, voilà, mais bon, vous pouvez réfléchir et voir comment on a Et vous l'aviez fait que à l'échelle de la commune? Oui. À l'échelle de la Cancan, il pourrait y avoir le chemin de Rambaud. C'est ça qui sera notre. Il y a de signaler sur la carte chemin de randonnée, et voilà, il n'y a pas de signalétique particulière. Ça va tout faire. Parce que là, pour l'instant, comme la Comcom est grande, le recensement des chemins est en cours. Parce que recense tous les chemins. Et selon les Comcom, en Seine, depuis 2000, vous n'avez pas la même politique. Donc, dans les Comcom, vous avez beaucoup, vous en fonctionnez. D'autres pas du tout, d'autres tribalisés, d'autres tribalisés pas. Donc là, pour l'instant, ils recensent tout, ils hiérarchisent, ils articulent avec le schéma de la département, là, pour le coup, sur les télévisionnaires, là, qui prend en charge les grands itinéraires intercommunaux. Et après, une chose, avec la. Comme si on veut aussi adopter les coûts, tout ça. Qu'on a fait, c'est qu'on a fait une commande groupée. Donc le fait de faire une grosse commande de panneaux à plusieurs communes, ça a permis de faire énormément baisser le coût de chaque panneau. Et donc, pour moi, c'est aussi intéressant pour ça que ce soit les TomTom qui chapeautent le groupement de communes, même si les communes restent décisionnaires, maîtres de leur projet. Le marché, lui, il est passé à grande échelle, et du coup, on peut négocier avec les entreprises, et on a atteint des prix vraiment. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir une lame pour 50 euros, qui est vraiment pas cher, comparé à ce que ça coûte quand on l'achète au prix militaire et qu'on s'est déplacé. Voilà. C'est vous qui allez manager cette commande. Ça, on le fait là. Sur le castillon de Grenoble à ça a pris du retard parce que j'avais anticipé la fusion, mais après la fusion, c'était difficile de brasier le temps de sa structure. Donc, voilà, et maintenant, là, ils sont en train de poser, et donc on aura couvert une vingtaine de communes. Là. Le breton, il est plus cher que le panneau? Non, enfin. Ah, à peu près équivalent. Je ne peux pas dire parce que selon la configuration, ça va être un peu trop long, un peu trop court. Selon ce qu'on a écrit, ça va être un peu long, un peu trop court. Ou la dénivation pour une certaine hauteur. Le panneau court, il vaut 50 euros. Le panneau fond de ligne, il vaut presque 200. Donc en fait, je ne peux pas vous dire combien ça coûte avant d'avoir. C'est la place qui va manquer bientôt pour mettre les panneaux. C'est pas où on va. Ils ont décidé de faire des. Pour lever les banquets, ils vont se rentrer dans ce document pour bénéficier. Et bien, j'aimerais bien que, en fait, c'est les demandes de communes, donc la communauté de communes, c'est juste que ça vaut le coup de continuer et notamment de mener sur le vol d'air. Ça va être très pression. Et ça va être très lourd. Et c'est une bonne année à la société comme tout. Oui, mais c'est-à-dire que si vous écrivez déjà cette demande à la communauté de communes, déjà, moi j'ai deux communes que j'incite à faire la même chose. Moi, parallèlement, c'est vrai que j'ai formé des gens qui travaillent à la communauté de communes pour le faire, que j'incite, que derrière nous, on accompagne les communautés de communes pour faire le marché, pour faire les questionnaires, pour suivre la société. Donc, à mon avis, ça va être gagnant-gagnant, dans le sens que la communauté de communes, elle, ça ne coûte rien, c'est les communes qui financent. Mais par contre, on va faire un appel. Voilà, c'est gagner de l'argent à côté de nous, parce qu'il y a un appel de la société, mais donc du coup, la fourniture est beaucoup moins chère. Et ça n'est pas une commune pour faire l'appel de l'offre. Voilà. C'est vrai. Et ça, la communauté de communes, elle a quand même les compétences, les services adéquats, et mener à bien. Et donc, du coup, là, par exemple, en fait, une fumée, ça va être quand même une opération intéressante, même si dans le délai, les gens, ça me fait un peu. Bon. Et sur le Volvet, au sein de la commune, c'est le territoire qui n'est pas ouvert, c'est le Volvet. Oui,
sinon ils sont devant, c'est juste après. Bonne journée à tous. Et au prochain. L'inauguration, ça passe quand sur les pêches. J'ai envoyé rapidement, mais la semaine dernière. Mais ça devrait se faire encore longtemps. Merci. Avec plaisir. Bonne journée. Bonjour Sophie.